Eh bien, salut tout le monde, c'est Fulito. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de ce Let's Play sur Beyond Good and Evil. Donc, la dernière fois, eh bien, nous avons fait la connaissance de Jade, donc la petite jeune femme que nous contrôlons, ainsi que son ami Paige, qui est autre que son oncle, même si il ne se ressemble pas trop, mais c'est bien son oncle. Et donc, nous avons découvert que nous vivons sur la planète Illis et que cette planète est envahie par des créatures d'Homs, donc qui sont des extraterrestres. Et donc dans ce premier épisode, eh bien les créatures d'Homs ont attaqué Illis, mais on ne s'est pas laissé faire et on leur a planqué une bonne raclée. Et donc ensuite nous avons été contactés par un message via le M-Disc par monsieur de Castellac qui souhaiterait nous rencontrer donc sur l'îlot noir. Et donc nous allons nous rendre sur l'îlot noir tout de suite dans cet épisode. Et donc je me suis arrêté comment vas-tu? J'ai sauvegardé au garage Mamago, vu que c'était plus près. Voilà, tout simplement. Donc on va aller tout de suite voir ce qui se passe sur l'îlot noir. On va d'abord lire le petit message. Monsieur de Castellac souhaite vous rencontrer à l'îlot noir, au plus tôt. Il y a une forte somme à la clé. Ouais, d'accord. On veut de l'argent, donc on va y aller tout de suite. Donc c'est parti, Paige va nous suivre. Allez, viens mon petit cochon. Et c'est parti pour aller sur l'îlot noir. Donc on retrouve cette belle planète avec ce décor magnifique. Alors, on va aller où? On va aller par là. Hop, avec le moteur, on va plus vite et c'est plus cool. Donc on passe ce long couloir. Et donc on atterrit dans la ville principale. Ça lag un petit peu ici. C'est avec les décors. Hé, ça crame là-bas! Les météores d'hommes ont traversé le bouclier! Oh, c'est pas trop grave ça. Donc on est dans la ville principale de cette planète. Et donc avant d'aller sur l'île noire, on va faire un petit tour dans le quartier piéton qui se trouve juste ici. Accident. C'est pas grave. On va aller au quartier piéton pour voir comment commencer là-bas. Encore eu 40. Mademoiselle Jade, monsieur. Oui, non, mais c'est bon, tu vas pas arrêter de le répéter. Donc, ici, on est dans cette petite ville qui est, ma foi, fort sympathique, bien animée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, lui, il me semble que c'est pour la presse, on va aller le voir. Bonjour, avant toute chose, si tu veux qu'on fasse affaire, tu dois passer ta carte de crédit au décodeur. Stop pour identifier ton compte. D'accord? Identification compte. Ok. C'est bon, tu peux t'abonner à un journal. Faut voir. Je vais te proposer. L'officiel d'Illis, la formation citoyenne. Illis Futé, un bon plan promo et astuce. Ceux qui lisent Futé, lisent Illis Futé. D'accord. 50 unités pour une année. Bon, ça vaut largement le coup. On va prendre lui. Ok. Ok, t'es abonné. Et on va faire l'autre aussi. L'officiel, voilà. Comme ça, on aura les deux. C'est bon, t'es enregistré. D'accord. Comme ça, on se tiendra au courant de ce qui se passe ici. Et on peut aller aussi dans un lieu qui aura aussi toute son importance. Donc, la Koudabar. Il fait un peu soif tout d'un coup, ne trouve pas? Oui. Coucou. Salut, Mo. Salut, jeune. Mo qui est une vache. Très bien trouvé. Tiens, toi, je vais te prendre en photo. Voilà. C'est bon, j'ai archivé le cliché. Donc lui, on le prend en photo. Il y a une autre espèce ici aussi. Bon, on va aussi la prendre en photo. Voilà, comme ça, je remplis mon répertoire de photos. Merci pour toutes ces précisions. Voilà, et on aura bientôt une perle. C'est très bien, c'est très bien. Est-ce que toi, t'es différent aussi?
Ah, tout en t'as pris. On va faire un petit tour à l'étage. Attendez, lui c'est quoi? Lui c'est un mal, c'est bon. Faire un petit tour à l'étage. S'il y a des chambres, on va pas y aller tout de suite. Et un humain, toi je pense pas qu'il y a besoin de prendre des photos. Allez, on va prendre un peu mieux. Avancez mademoiselle, venez tenter votre chance chez Belle Mirette. Bon, on ira plus tard chez Belle Mirette. Et toi j'ai vu que tu avais une perle. Donc on va, bon, on va essayer de récupérer sa perle en jouant au palais. Donc c'est un petit truc assez sympa. Je ne promets rien du tout. Mais bon, on va essayer d'avoir sa perle du premier coup, j'espère. Salut Francis. Salut Jade, une petite partie. Ouais, bien sûr, c'est simple. Déplacer les palais. Non, bon. Ouais, du camp, d'accord. Il paraît que t'es le meilleur. Oh, on va parier. On parie quoi? 100 unités, 20 unités, je gagne. 1000 unités, je mets en jeu ma perle fétiche. Il y en a beaucoup qui ont tenté, mais j'ai toujours... Ouais. On va essayer. Que le meilleur gagne. On va d'abord faire un petit entraînement. Pour voir ce que ça donne. Puis après, on va parier. Donc on va tester l'entraînement. Alors. Donc avec la souris, on déplace sur le côté. C'est génial, déjà, j'ai du mal. On déplace sur le côté. Enfin, on sélectionne la direction. Et on clique... pour envoyer les palais, et j'ai perdu, c'est pas grave, ce n'est qu'un entraînement, c'est pas grave. Donc c'est, ça a l'air pas simple, enfin ça a l'air simple, mais en fait ça ne l'est pas, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Hop là, j'ai gagné, on va essayer de gagner le dernier round. Hop là, hop, voilà. Donc je suis pas un expert, mais ça peut le faire. Allez, plus qu'un. Eh, c'est bon, on a gagné. Bon bah, on va tester pour la perle. Donc je ne promets rien, mais on va essayer. Puis si on n'arrive pas, ben on réessayera. Hop. Ouh, non. Allez, on va tout de suite prendre l'avantage. Donc dès le début, il faut tout de suite sélectionner la bonne direction. Non. Eh, je me fail totalement. C'est pas grave. Bon, on va pas l'avoir du premier coup, je pense. Ça risque d'être assez chaud, à moins que j'arrive à bien me débrouiller. Bon, on a rattrapé un petit peu le tir. Allez, il nous en reste plus que 3, 2 j'allais dire, mais en fait non, 3. Allez, on vise. Allez, ça, tu peux le faire mon petit, tu peux le faire. Donc on peut pas sélectionner, celui qu'on veut, il sélectionne automatiquement. Allez, la première est gagnée. T'as gagné. Premier round gagné. On va tout de suite essayer de gagner le deuxième. Oula. Hop, j'ai fait un peu n'importe quoi. Alors, je suis pas un expert du tout à la souris. Mais ça peut le faire. Allez. Ouh, foufou. Ça va être chaud. Voilà, je vais te... Tu vas me quoi? Que vas-tu me faire, Francis? Oh ouais. Et il est fortiche quand même. Il est fortiche. Mais nous on va pas se laisser faire. Oui, c'est bien. Hop, non, on se fail. Et en plus il nous renvoie tous nos palais. Non mais Francis, voyons. Ah, je me suis fail. Ouais, ça, je sens que ça va jouer au dernier round. Ouais, ouais, dernier round je pense. Allez, dernier round. Hop, c'est parti. On fait attention à ce qu'on fait. Voilà. Allez, plus qu'un, ça peut le faire. Ah, s'il nous renvoie nos palais en même temps qu'on lui balance une note. Ouais, c'est bon, on a perdu. Bon bah on a perdu. Bah, écoutez, okay. On va quand même réessayer. De toute façon, des crédits, on peut en avoir tout le temps. Donc on va réessayer encore une petite fois. Oui, Francis, c'est bien. Ouais, on va faire une petite partie. Allez, hop, on va retenter le coup. De toute façon, des crédits, on peut en avoir à chaque fois. En prenant des photos, par exemple. Ou bien en je sais plus comment, mais on peut en avoir tout le temps. Hop, faut gagner le premier. Au moins, ça sera fait. Oui. Allez, plus que deux. Plus que trois. Et
Non mais, mon petit Francis. Oui, c'est bon, lui on l'a. Si on ne se foire pas. Voilà. On a gagné le premier round. Et le deuxième, c'est parti. Allez, on ne se foire pas. Voilà, on a gagné. Pas trop mal, Francis. Et on a gagné une perle. Donc on a perdu 1000 crédits, mais ce n'est pas grave. On a quand même bien géré. Et au passage, je viens de voir que j'ai oublié de mettre mon timer. Donc on va partir. C'est pas grave, j'ai pas mis mon timer, mais on fera au feeling. C'est pas grave, ce sera un épisode au feeling, mais pas très long, je pense. Puisque de toute façon, le jeu n'est pas super long, donc... on fera des épisodes un peu plus courts. Comme ça, on fera durer un peu plus le jeu. J'ai pas envie de le finir rapidement. Donc on va tout de suite se rendre sur l'île aux Noirs, sans plus tarder. Donc, de l'autre côté, on peut faire des courses d'Overcraft, mais on va pas faire ça tout de suite. Je pense qu'on fera ça dans le prochain épisode. Là, on va tout de suite se rendre sur l'île aux Noirs. Et donc ici, on peut admirer cette magnifique musique. On peut l'écouter. Ah, cette musique, elle est vraiment géniale. Et donc, l'île aux Noirs, c'est là. Donc, cap dessus. Ah, quelle douce musique. Des goélands, est-ce que je les ai pris en photo eux? Il me semble, oui. Ouais, on les a pris en photo. Il me semble qu'il y avait aussi d'autres créatures ici qu'on pouvait prendre en photo. Dans mes souvenirs. Ouais, on verra ça un peu plus tard. Bonjour, mademoiselle Jade. Mon patron, monsieur de Castellac, comme tous les habitants d'Ilis, souhaite ardemment la fin de cette guerre. Les sections Alpha prétendent repousser les Doms, mais ils nous cachent la vérité. Des monstres Doms ont déjà envahi chaque recoin de notre planète. Deux spécimens ont été repérés au fond de cette mine. Si nous n'alertons pas la population, ils seront de plus en plus nombreux. Monsieur de Castellac est prêt à payer très cher pour pouvoir diffuser une photo d'un couple de ces monstres. La mission comporte de grands risques. Vous êtes libre de refuser. On n'est pas très potes avec les Doms. Dis à ton patron qu'il aura sa photo. Eh oui. On n'est pas potes avec eux. Ça, c'est sûr. T'as encore un truc à nous dire, toi? Les deux vers du fond. Des Pterolimax. Ok. Fonilienne. Excuse-moi. Ouais. Bon. Félicitations. Ah. Vous avez choisi de vous abonner à l'officiel d'Ilis. La pub qu'on reçoit. Les Doms ont encore frappé. Oui, il bon, y a ça... deux... Appel à témoins. Ok. Donc la pub, ça fonctionne. Il n'y a pas une autre petite créature ici à prendre en photo? Bon, puis on verra ça un peu plus tard. On va quand même regarder juste derrière. Donc monsieur de Castellac qui se trouve dans cette voiture. Bon. Bon bah alors, on va tout de suite commencer dans l'île aux Noirs. Bonne chance. Mais souvenez-vous, monsieur de Castellac veut le mâle et la femelle sur la même photo. D'accord. Ouh, c'est quoi cet endroit? Serait-ce une zone secrète? Une zone secrète. On va regarder. On va aller dans la zone secrète pour voir ce qui se trouve. Ah oui, il me semble que c'était pour prendre en photo des trucs. Voilà. Superbe cliché. Merci. Hop, et ça nous fait encore de l'argent. Comme ça, on regagne nos trucs. Nos crédits qu'on a perdus. Et en plus, il y a de la vie ici. Bon, bah, on va la prendre. Et là, il y a un... boost, ok. Tiens, vas-y, Paige. Alors, on peut faire une action avec lui. Tu attends quoi, mon ami? Ah, tu peux pas. Pas outillé pour ça, moi. Bon, bah, on reviendra plus tard, alors, si tu peux pas. Peut-être qu'il nous faut quelque chose. On verra ça plus tard. On va aller là où on devait aller normalement. Donc ici. Ah, là-bas, il y a des trucs
à prendre en photo. Non, toi on t'a déjà pris. Voilà, donc je m'attarde vraiment à prendre tout en photo puisque ça sera important par la suite. Du coup, où est-ce qu'on va? Ah ok, ouais, je vois un petit peu le délire. Pour récupérer un truc plus tard pour l'autre côté, d'accord. C'est parti. Viens nous aider, Paige. Voilà, donc en coopération. On va lui trouver ces vers de terre. Mais oui, on va les trouver. Et donc on atterrit dans la vieille mine. Avec la musique qui a changé. Oh, est-ce que toi on t'applique? Oh oh oh, toi il te faut. Voilà, on l'a eu. Merci Jade. Donc je prends mon temps sur les photos. D'accord. Que faut-il faire? Jade, viens voir s'il te plaît. J'arrive. Il faut que je te dise un truc. Maintenant, c'est peut-être le moment de te montrer ma dernière invention. 2 ans de travail dans le plus grand secret. L'aboutissement d'une carrière. Ma petite merveille, les Jet Boots. Elles fonctionnent avec du biocarburant maison. Ici, une poche de méthane maintenue sous pression. Là, sous la semelle, 2 turboréacteurs. La mise à feu est commandée par une simple contraction des muscles abdominaux. C'est le moyen de transport du futur. J'attends ton signal, Jade. Vas-y. Chili con carne. Et voilà. Super. Ah oui, c'était super. C'était un peu ridicule. Donc on a vu que ça bougeait. Donc si on... tu veux une autre démo, vas-y. Je suis à ta disposition. Fais-nous une autre démo. Voilà, comme ça, hey, on va pouvoir atterrir en haut. Tu m'avais caché ça. Et donc, il va falloir lui ouvrir le pont. Ça touche plus à rien, c'est nickel. Grâce à ce petit mécanisme. Voilà. Ensuite. Bien joué, Jade. Alors, là, il y a le plan de la vieille mine. Donc, on va la prendre en photo. Voilà, comme ça, on aura le plan dans le menu des objectifs. Comme ça, on a toute la carte. Voilà. Oh, on entend des bruits au fond. Ça n'a pas l'air très rassurant. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Superbe cliché. Merci. Ok. Ta pellicule. Oh, est bah c'est bien. On l'a terminé. C'est bon. Je te transfère. On une a gagné perle. Comme ça une nouvelle perle. Et je réinitialise ta pellicule. Ah, ça c'est sympa. Donc ici pour débloquer le chemin, eh bien il faut faire une super action. Maintenant. Voilà. Et on tape comme ça. Ton attaque Jet Boots les fait sortir de leur boîte. Et ici il y a aussi un chemin. Caché, hop, et voilà. Et donc on va pouvoir récupérer de la vie, enfin du soin, et encore un boost. Prends-le et on va prendre le boost. Voilà. Bon, alors du coup on va continuer vers là. Ouh, encore un truc à prendre en photo. Décidément, il y a beaucoup de photos à prendre. Méfiez-vous de ces anémones mutantes. Ouais, ça a pas l'air très rassurant. Donc on va les taper. Comme ça. Et donc ça nous donne un cristal de materia. Et donc qui vaut de l'argent. Un cristal de materia. Il est transféré illico à la banque. Il paye mucho unité par caillou. Good good. Good good, oui. Alors ça nous fait pas beaucoup parce que là on n'a pas récupéré beaucoup. Oh, en plus on se prend des dégâts. Bon, écoutez, on va manger un petit Starkos. Voilà. Et donc comme ça on gagne des crédits. Donc voilà, comme quoi les 1000 unités, on va les récupérer assez facilement. Donc ici, on peut pas y accéder. Hé, hey, Jade, viens voir. Mmh. Il va
va nous falloir du matos si on veut passer par là. Ouais, il va falloir du matos. On est dans une ancienne mine. Il y a sûrement un local à outils ou quelque on chose. On reviendra. Ouais. Bon, je lis pas forcément tout. Je suis pas outillé pour ça, moi. Non, du coup, va falloir aller là. Oh, on va casser les trucs pour avoir de l'argent. Parce que moi, j'aime l'argent. Donc, on va refaire l'attaque spéciale, enfin la super action de Paige. Déjà, sur le cristal, comme ça nous fait plein d'argent. Oui, de l'argent. De l'argent. Et on va le refaire encore une fois pour débloquer le chemin. Attaque Jet Boots. Voilà. Et donc, on a débloqué le pont. Oui. Faut aller où? Ouais, faut aller là, à droite. Oh! Un Crochax. Alors, on va la prendre en photo. Ça serait bien qu'on arrive à le prendre en photo. Non! Oula! On esquive. Et on va prendre en photo tout de suite. Voilà. Un Crochax. Des Crochax? Ne les approchez surtout pas. Ouais, mais nous on aime bien l'aventure, donc on va les taper. Bim! Et comme ça nous donne de l'argent. C'était quoi ça? Crochax. Il y en aura d'autres, Jade. Oh. D'habitude ils attaquent à deux ou trois. Bon bah on a eu de la chance. Lion il était tout seul. Donc on actionne encore le mécanisme. Et on déplace, on va déplacer ça pour pouvoir monter. Vas-y, viens, okay. Mon petit Paige. Aide-moi. On pousse. Et on pousse encore. Voilà, donc là, on va pouvoir monter comme ça. Et donc, on va atterrir dans le bouillon secondaire. Ah ouais. Oh, ça fait beaucoup de trucs à prendre en photo. Donc déjà, on va prendre eux en photo. Ah, ces petites mais. Ah, il y a aussi toi là-bas à prendre en photo. Voilà, lui on le prend en photo. Elle est magnifique. D'ordinaire, les Alicia vivent sous l'eau, oui. Mais là, ils vivent pas sous l'eau. Et il y a encore un autre ennemi à prendre derrière. Et il y a des Crochax. Alors lui, on va le prendre. Voilà. Les grosses sont des mutants. Ah bon? Il y a des mutants maintenant. Ça a pas l'air très rassurant. Oh, il y en a beaucoup là. Là, c'est grosse période de combat. Oh, et en plus je tape Paige. Désolé mon petit Paige, mais tu étais sur mon champ de vision. Hop, on fait à droite, on fait à gauche, et on refait à droite, et on refait à gauche, enfin quand elle voudra, après avoir fait un magnifique petit combo. Voilà, et il y en a encore, décidément. Encore une super action. Voilà, bim, on l'envoie dans le mur et on tue les derniers petits méduses. Voilà. Est-ce qu'il y en a encore? Non, il n'y en a plus. On n'y est pas allé un peu fort là, non? Mais non, pas du tout. T'as pu rien apprendre en photo. Ça, c'est du reportage animalier comme j'aime. Bon, alors du coup, on va encore actionner un mécanisme. Allez, okay. Viens mon petit Paige. Voilà. Et on atterrit dans une petite pièce. Donc là, on peut cogner dans l'armoire pour prendre ça. Tiens, ça c'est pour le spécialiste. Ouais! Une Barranco D53 modèle à percussion cisaillement. Je la prends. Ah, il s'y connaît lui. Il s'y connaît vraiment. Et donc, voici une boîte de kebabs. Donc le fameux kebabs qui nous rend toute notre énergie. On va encore taper là-dedans, et donc ici, il y a un boost. Est-ce qu'il y a encore des petites choses? Oh, il y a des trucs
Et si on peut les acheter? Mais bon, on a encore assez de trucs, donc on n'a pas besoin d'acheter. On a encore beaucoup de Starkos. Là, on peut sauvegarder. Et ici, on peut utiliser le super truc. Du coup, on va encore faire... D'accord. La petite action. Pardon. Voilà. Et donc, le chemin est ouvert. Pas de pitié. Encore pour un truc à prendre en photo. Oui. Ouais. Pour moi, c'est pas important. Ici, il y a une petite truc secret. Il me semble que c'est pour prendre en photo. Donc, ça, déjà, on peut prendre en photo. Parfait. D'accord. Et dans le fond, il me semble qu'il y a encore quelque chose à prendre en photo. Un escargot qui sort. Mais il faut attendre. Il faut attendre qu'il sort. Il est assez timide. Sors, mon petit. On l'a eu. Félicitations. Les données sur les... Ouais. Et on a bientôt une perle. C'est très bien. Encore du message. Les sections alpha sont les complices des DOMS. Rejoignez le réseau Iris. Le réseau Iris. Le réseau Iris. Ça a l'air très, très important tout ça. Mais écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce second épisode. Donc un épisode plutôt court, mais comme je l'ai dit, je ne préfère pas faire de longs épisodes puisque le jeu ne dure pas extrêmement longtemps. Donc j'ai pas envie de le finir rapidement le jeu. Donc voilà pourquoi on fera des épisodes plutôt courts. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Et donc la prochaine fois on terminera notre ascension dans la vieille mine. Et on verra ce que Monsieur de Castellac aura à nous dire par la suite. Donc écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à laisser des petits commentaires pour si vous avez des astuces ou bien donner tout simplement vos impressions. Et donc je vous retrouve la prochaine fois pour l'épisode 3. Allez, bye tout le monde.